Bonjour tout le monde et bienvenue dans Action Replay, notre reportage de qualité sur les Avengers. On est là et on est prêt à analyser l'action pour vous. Le Faucon a rédigé des fiches pour noter les aptitudes de chaque Avenger. Même si ça semblait être une bonne idée à l'époque, un mystérieux méchant, Nighthawk, a volé son travail et l'a utilisé. Écrire les secrets des héros les plus puissants de la planète, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Les Avengers vont-ils réussir à vaincre Nighthawk malgré son avantage? Si ce n'est pas le cas, que va-t-il se passer? On va le découvrir dans Action Replay. Monsieur? Waouh, ça a été rapide. Ah, Jarvis, te revoilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Un intrus, monsieur. Il est à la recherche de quelque chose qui s'appelle le Héliocube. Hyperion. Aucune inquiétude, il n'est pas assez fort pour s'en emparer, même avec les plans de Faucon. L'Héliocube d'Hyperion est une nanotechnique autoréplicante qui a permis de bâtir sa citadelle. Voilà ce que cherche notre mystérieux intrus. Monsieur, il y a autre chose. Nighthawk entre en scène avec un parfait saut de main qu'il termine en roulade. Je déteste quand Jarvis dit « il y a autre chose » et que cette autre chose est un intrus en colère. J'ai transformé ton réacteur en aimant électromagnétique. Tony, il faut que tu arrêtes ton réacteur. Que j'arrête mon cœur? Bien sûr. Facile, attention! Les tables, ont volé. Qui aurait pu deviner que le point faible d'Iron Man était les meubles? Tony! Qui es-tu? Je suis Nighthawk. Merci, Faucon, tu m'as facilité la tâche. Faucon, attention! Pour citer votre rapport, les réflexes instinctifs de Captain America peuvent être utilisés contre lui. Vous avez attaqué le SHIELD pour voler mon rapport! Nighthawk vient de terrasser Cap et Iron Man? Et le Faucon fonce sur lui? C'est courageux. Voyons comment il se débrouille. Pas très bien. Mon but est le même que le vôtre, débarrasser le monde du mal. Seulement, nous n'avons pas la même définition du mal. Je crois qu'on a ferré une grosse pièce, Flippy. Petite précision, ce pêcheur et son chien Flippy vont bien tous les deux. N'est-ce pas mon chien? C'est qui le bon chien? Hyperion n'a pas utilisé toutes les capacités de la citadelle. C'est en fait un vaisseau de guerre. Oh oh! Je crois que je préférais quand ce genre de choses avait lieu sur une autre planète. On s'arrête là alors que Nighthawk a l'avantage. Avec la ville en péril, l'enjeu ne pourrait pas être plus important pour nos héros. À la prochaine! C'était Action Replay.